Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Coquineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique? Eh bien parce que j'accompagne mes clients sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. J'ai différentes casquettes pour cela. Je suis diététicienne, praticienne Reiki. Je me suis spécialisée dans tout ce qui était approche comportementale, notamment avec les thérapies cognitives et comportementales. Je me suis formée en EFT, en radiesthésie, plein d'outils différents, plein de domaines qui me permettent eh bien, d'aider les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à eh bien, découvrir quelle est la racine de ce mal-être, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes et à leurs valeurs profondes pour faire la paix avec leur corps et la nourriture, puisque très souvent, elles ont des troubles du comportement alimentaire. Si vous me suivez depuis un moment, si vous pensez que mon approche thérapeutique peut vous aider, en tout cas si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à me contacter pour demander votre appel libération, un appel offert de 30 minutes où on pourra voir ensemble eh bien, votre situation actuelle, votre besoin et voir de quelle façon en fait je peux vous apporter mon aide, par quel outil, par quel service, par quel produit que je propose, si effectivement je suis la meilleure personne pour vous aider en ce moment. Donc pour cela, vous avez le lien du questionnaire dans la description de la vidéo. Avant de traiter notre vidéo du jour qui est consacrée au libre de manger, au fait d'être libre de manger, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification qui vous avertira dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Comme je l'ai dit aujourd'hui, donc une vidéo sur le fait d'être libre de manger et comment devenir libre de manger sans grossir. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, si vous me connaissez, je n'aime pas trop tout ce qui est trait à perte de poids, etc. Je n'en fais pas une fin en soi ni un objectif parce que c'est ce qui justement nous maintient dans un comportement alimentaire dysfonctionnel, dans une image corporelle négative. Mais très souvent, on entend le terme donc libre de manger et tout de suite, le cerveau arrive avec ses grands chevaux, avec ses peurs bien évidemment. Et il se dit que s'il devient libre de manger, c'est qu'il va plus compulser, c'est qu'il va y avoir plein d'autres choses. Il n'y aura plus de règles, plus de repères, ça va être l'horreur. Et donc forcément, il va grossir. Donc pour moi, c'est important que vous puissiez comprendre que être libre de manger, c'est être libre d'être qui vous êtes. Si vous êtes qui vous êtes, c'est que votre corps va aussi refléter le bien-être qui se passe à l'intérieur de vous, le fait que vous soyez en pleine connexion avec vous-même. Donc, vous ne grossirez pas. Pour être libre de manger, il faut couper des chaînes, couper ces boulets que vous traînez au pied et qui vous en empêchent justement d'être libre de manger et qui, en plus, vous maintiennent dans ce schéma répétitif de « je prends du poids aussi pour me protéger ». Donc, tout ça va de pair. Donc, couper ces chaînes, j'ai imaginé trois types de chaînes. Donc, la première chaîne, c'est la chaîne des croyances alimentaires. Toutes ces idées reçues, toutes ces croyances limitantes qui vont vous maintenir dans votre schéma actuel, justement, et dans ce système de peur et d'angoisse par rapport au poids et au fait de prendre du poids. Donc ça, il va falloir les couper pour être libre, justement, de faire ce que vous voulez. La deuxième chaîne à couper, c'est la chaîne des émotions. Pour que votre alimentation retrouve sa juste place d'alimentation et ne soit plus un pansement à vos émotions. Il y a plusieurs techniques hein, pour se libérer des émotions, apprendre à gérer ses émotions. Vous avez la technique de l'EFT, bien évidemment, mais vous avez aussi d'autres façons de vous libérer tout ça. Tout simplement la tenue d'un journal, d'un cahier des émotions. Vous avez aussi la technique de Ask and Receive. Vous avez le Reiki, bien évidemment, qui peut vous aider dans la gestion du monde émotionnel. Donc, couper cette chaîne des émotions va vous aider à devenir libre de manger. Et enfin, la troisième chaîne que je vous propose de couper, c'est la chaîne du jugement. Le jugement parce que c'est lui, en fait, qui va vous pousser à vouloir être différente de ce que vous êtes déjà, mais surtout être différente à l'extrême et à finalement à ressembler à quelqu'un que vous ne connaissez pas et donc à ne plus du tout vous connaître et ne plus être en connexion avec qui vous êtes au plus profond de vous. Pour cela, il faut apprendre à changer son dialogue intérieur. Il faut apprendre des outils de bienveillance pour apaiser ce jugement intérieur qui sera toujours présent, mais en tout cas qui sera moins tyrannique. Donc vous apprendre à couper ce jugement pour aussi ne plus être dans une forme d'agression envers vous. Qui dit agression, dit forme de protection et le fait de prendre du poids est une forme de protection. Donc
Je vous refais le lien avec ce que je disais au début, devenir libre de manger sans grossir, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des pistes de réflexion pour vous aider justement à être libre de manger. N'hésitez pas à rebondir sur le sujet dans l'espace des commentaires en dessous. Vous pouvez aussi me contacter par message privé si vous avez besoin que ça reste confidentiel. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement par mail. Et je vous invite encore une fois à liker et partager la vidéo autour de vous parce que ça pourra aider d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore eh bien, à profiter de mes conseils. Et pour qu'elles puissent voir la vidéo, il faut qu'elles puissent être visibles sur Internet et les réseaux. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de liker et de partager la vidéo. Voilà, je vous remercie par avance et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut.